Primitive de x, e de x sur 1 plus x carré. Alors, première chose à voir, c'est que dénominateur, il doit être différent de 0, c'est-à-dire que le domaine, c'est R sauf moins 1. On va voir la fonction x fois l'exponentielle de x sur 1 plus x au carré. Donc je vous avais bien dit que le domaine c'était R sauf moins 1, où en moins 1 on a une asymptote verticale. Alors on a aussi une asymptote horizontale, à mon avis. En y égale 0. On a une asymptote horizontale et verticale. Une en x égale moins 1 et une en y égale 0. On va calculer la primitive. Vous reconnaissez bien sûr f', g moins f, g' sur g carré. Donc le g c'est a plus x, le f c'est e de x. Alors, vous reconnaissez ceci. Et donc la primitive est toute simple. Alors, e de x sur x plus 1. Là, c'est simple. Donc, vous voyez que le x fois e de x sur 1 plus x carré ne provient que de e de x sur x plus 1. Je vous remercie.